أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا Professeur Mustapha Brahami a consacré sa deuxième journée de formation du dimanche 22 février 2015 aux imams des écoles juridiques musulmanes. Maintenant, on peut commencer si vous voulez. Bismillahirrahmanirrahim. Wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Donc, on poursuit notre cours. Maintenant, on voudrait parler un peu plus en détail sur les grands imams et leur méthodologie. On ne va pas parler de leur vie, de leurs œuvres, sinon ça prendrait beaucoup, beaucoup plus de temps. Mais en rapport avec ce que nous avons dit hier, leur méthodologie au solfège avec laquelle ils ont travaillé, c'est ça ce que nous voulons aborder aujourd'hui. Pour Barque, pour resituer les imams dans la perspective historique, pour les resituer, donc Nabi Ali Salatu Salam, l'année 11 de l'Hégire, il va mourir, l'année 40, l'année 41, c'est la fin de l'Khilaf al-Rashida. Ali ibn Abi Talib va mourir. Mais vous voyez, il reste encore des compagnons. Ça, c'est les plus jeunes et qui vont vivre, et ceux, parmi eux, qui vont vivre le plus longtemps. Donc, Jabir ibn Abdullah, Abdullah ibn Abbas, Aisha radiallahu anha. Et il va ensuite s'en suivre cette génération-là, qui n'ont pas vu le prophète Ali salatu salam, mais qui vont être les disciples des compagnons. Ces disciples des compagnons, ce sont eux qu'on appelle tabi'in, c'est les successeurs du prophète, les successeurs des compagnons. Mais qui est successeur, c'est toute personne qui a vécu avec les compagnons et qui s'est assis dans leur cercle pour apprendre d'eux, pour transmettre. Le nombre de successeurs va varier beaucoup en fonction du nombre de compagnons. Le plus grand nombre de successeurs, c'est Medina al-Munawara, à Médine. À tel point qu'à Médine, on va distinguer ce qu'on appelle les sept grands savants de Médine. Les sept grands savants de Médine. Globalement, il y avait pratiquement 350 successeurs à Médine. À la Mecque, il va y en avoir, parce qu'il y a des compagnons qui vont revenir à la Mecque et qui vont s'installer à la Mecque, notamment Abdullah ibn Abbas en particulier. D'autres vont partir parmi les compagnons vont partir Abdullah ibn Mas'ud à Koufa. Ali ibn Abi Talib va aussi partir à Koufa. Il va déplacer la capitale musulmane de Médine à Koufa. Pourquoi Koufa? C'était pour combattre les Khawarij, mais aussi pour s'imposer face à Muawiya, hein, qui ne voulait pas rentrer dans les rangs. Donc à Koufa, principalement, Abdullah ibn Mas'ud et Ali ibn Abi Talib. Ces deux-là vont laisser, bien sûr, des successeurs à Koufa en Irak. Ces deux-là vont être, donc, Ali, Abdullah ibn Mas'ud vont donner les grands successeurs à Koufa en Irak, parmi eux Ikrima, Nakhi, l'oncle et le neveu, qui vont être les deux
maître d'Abu Hanifa. Donc Abu Hanifa, il va avoir une relation particulière avec les descendants de Ali ibn Abi Talib. Abu Hanifa, son père était commerçant, il avait été fait prisonnier, donc il n'est pas originaire d'Arabie, il est originaire plutôt, c'est un Perse. Son père va être fait prisonnier, il va être ramené à Koufa. Là, il va retrouver sa liberté, il va devenir musulman et il va s'attacher très fortement avec l'imam Ali, radiyallahu anhu. D'où, Abu Hanifa, lui aussi, va avoir, une relation très dense avec Ali et les descendants de Ali. L'imam Malik, lui, il va être plutôt à Médine. L'imam Abu Hanifa et Malik vont être considérés comme les successeurs des successeurs. D'accord ? Tabi'i tabi'in. Donc, l'imam Malik va s'abreuver directement à Médine à travers les successeurs. On en parlera chacun. Les autres, Shafi'i et Ahmed, c'est la troisième génération. Mais à part ces deux-là, il y a aussi les deux autres imams dont on avait juste parlé hier très rapidement, l'imam Zayd et l'imam Ja'far. Zayd, on a dit, c'est l'oncle de Ja'far, on va voir comment. Eux aussi, ils vont pratiquement naître l'année 80, comme Abu Hanifa. Eux aussi sont considérés comme tabi'in, comme tabi'i tabi'in. D'accord ? Voilà. Les autres, non. Donc, voilà la continuité historique. Et bien sûr, la continuité géographique, comme on a dit, Abu Hanifa, c'est l'Irak, principalement Abdullah ibn Mas'ud et Ali, mais ce n'est pas seulement ça, lui aussi il va se déplacer un peu à la Mecque, un peu à Médine. L'imam Malik va rester principalement à Médine, il ne va pas bouger sauf pour aller au pèlerinage. Shafi'i, c'est une autre destinée. Shafi'i, il va naître à Gaza, en Palestine. Il va naître orphelin. Il va vivre très pauvrement. Et sa maman va le ramener à la Mecque. Pourquoi ? Parce qu'il a un lien d'ascendance avec Benu Hashim, la tribu du prophète, alayhi salatu salam. Les Benu Hashim ont droit à une partie du trésor public. Donc sa mère va le ramener à la Mecque pour qu'il soit pris en charge par ses oncles. Ce n'est pas ses oncles directs, mais ses oncles éloignés. Et donc, il va vivre à la Mecque. Et ensuite, de la Mecque, il va se déplacer, il va rester à la Mecque. Bad, arrivé à un certain âge, comme ça, 18 ans, il va aller à Médine, au cercle de l'imam Malik, radiallahu anhu. Ahmed ibn Hanbal va plutôt naître à Bagdad, va apprendre pratiquement tout ce qu'il va apprendre. L'essentiel, il va l'apprendre à Bagdad. Mais lui va se déplacer beaucoup. L'imam Shafi'i va se déplacer un peu. Bon, il va avoir des problèmes, notamment politiques, comme Abu Hanifa, comme l'imam Malik. D'accord, il va avoir des problèmes politiques, puisqu'à la fin de ses études avec l'imam Malik, il va travailler juge au sud du Hijaz, le nord du Yémen. Et là, il va être emprisonné et emmené à Bagdad, prisonnier. Ensuite, il va être libéré. Il va vivre beaucoup à Bagdad, mais ensuite, il va mourir en Égypte, Messr. Messr veut dire l'Égypte. Et ça veut dire aussi, pas le Caire. C'est une petite ville maintenant qui est accolée au Caire. Je ne connais pas le Caire, je ne suis jamais parti. Mais c'est Fustat, parce que le Caire n'était pas encore fondé. Qahira, elle va être fondée par une autre dynastie, les Fatimides, une dynastie chiite, extrémiste. D'accord ? Mais lui, il va partir et il va mourir à... Appelons le Caire, mais ce n'est pas le Caire. Il va mourir en Égypte. Ahmed ibn Hanbal, il va être caractérisé par une vie très difficile. Il a choisi d'être très exigeant envers lui-même, et il va se déplacer beaucoup, beaucoup dans la recherche du hadith.
Donc voilà globalement le contexte historique. On va maintenant aborder chacun des imams, même si on va ajouter à chaque fois un élément bénin. Ce qu'il faut aussi juste savoir, bon, on a changé le sens historique, donc on a dit la mort du prophète Ali, salatu salam, la mort de Ali, les Omeyyades, jusqu'ici, et ensuite les Abbasides. Abu Hanifa va vivre entre les deux, va vivre la transition entre les deux. Il va avoir un problème avec les Omeyyades, il va s'exiler. Ensuite, il va revenir après la révolution abbasside contre les Omeyyades. Et à nouveau, il va avoir encore des problèmes avec les Abbasides. Il va vivre de la transition. L'imam Malik va aussi vivre cette transition très difficile. Parce que c'est une transition où il y a eu beaucoup, beaucoup de morts. D'accord? Beaucoup, beaucoup de morts. Les autres vont vivre durant la période abbasside. C'est la période de l'âge d'or abbasside. Hein? Parce que les Abbasides vont prendre le pouvoir en 133. Ça va aller jusqu'en presque 600 et quelques, 650. Donc là, c'est vraiment l'âge d'or. Les Abbasides sont très puissants, malgré le problème qu'ils vont avoir avec les savants sur la question. Parce que, comme on a dit hier, le politique veut tout avoir, c'est la tentation totalitaire. Elle existe en chacun d'entre nous. D'accord ? Illa man rahim Allah. Donc celui qui est puissant, il veut tout avoir. Et donc l'Omara aussi, le Khulafa aussi, c'est ce qu'ils veulent. Donc malgré le fait qu'ils vont avoir des problèmes avec les savants, quand même ils vont encourager la science. Les Abbasides, au niveau politique, jusqu'à cette période, ils vont encore être forts. Lesquels vont être forts? Ils vont gouverner. Même s'ils vont ici faire appel à une tribu turque, chiite, les bouyides, bouyhiyines, qui vont être les ministres. Mbaad Hadou, les bouyides, vont prendre de l'ascendant sur les califes et les Abbasides vont appeler une autre tribu turque, Salajika, des sunnites, qui vont enlever les bouyides, qui vont prendre leur place. Mais Salajika, au début, commence bien. Ensuite, ils vont s'imposer face aux Abbasides. Et on va assister, je suis en train d'aller un peu loin, mais ma'lish, parce qu'il faut savoir lire aussi notre histoire. Ensuite, on va assister à une monarchie à l'intérieur d'une monarchie. C'est-à-dire que les Ben Abbas, lorsque l'un meurt, le fils ou le frère le remplace. Mais même Salajika, les Seljoukides, Salajika, eux-mêmes, le responsable, lorsqu'il meurt, va donner le pouvoir à son fils ou à son frère. C'était des généraux, mais ils vont prendre le pouvoir effectif. Jusqu'à ce qu'il ne reste vers l'année 600, 550, 600, il ne va plus rien rester du calife, sauf le titre et les vêtements d'apparat. Tout le pouvoir va être détenu par les militaires, Salajika. Je sais ce que je tiens, et je le dis à Essian. Va être détenu par les militaires, Salajika. Ben, ils vont humilier les califes. Ils vont faire ce qu'ils veulent. Donc c'est pour toutes ces raisons-là que lorsque les Mongols arrivent, il n'y a plus rien. Il y a juste la forme, il n'y a plus rien. Donc, Bagdad tombe. Voilà. Ça, c'est d'un point de vue politique. Bien sûr, les califes abbassides vont poursuivre les mêmes déviations que les califes omeyyades, à savoir, un, le pouvoir politique de choisi par les musulmans va devenir imposé par la monarchie. Et encore, d'un point de vue économique, financier, Beit el-Mal, qui doit appartenir au peuple, va appartenir au calife. Voilà, tout simplement. Mais bien sûr, ça c'est l'aspect un peu négatif. Mais bien sûr,
l'aspect positif, c'est que l'islam va aller partout. Va aller partout. Dans certains cas, les califs vont prendre la tête des conquêtes. Mais dans d'autres cas, c'est les gens qui deviennent musulmans, alhamdoulilah. D'accord ? Aussi bien en Afrique qu'en Asie, un peu partout. Ça, c'est la période des fuqaha. Juste après vient la période des muhaddithin. Donc Bukhari, Muslim, Tirmidhi. Celui qui va faire la transition entre les deux, principalement, c'est l'imam Ahmed ibn Hanbal, puisqu'il va être le maître de Bukhari. Ça ne veut pas dire qu'avant les muhaddithin, il n'y avait pas du hadith, il n'y avait pas du muhaddithin. Il y en avait. Mais les véritables sciences vont être érigées par Bukhari Muslim et le maître de Bukhari, Ibn Khuzaymah. Hein? Ils vont ériger des sciences pour authentifier le hadith. On va voir pourquoi il y a ce besoin d'authentification du hadith. On va le voir. On a dit que l'imam Malik était déjà lui-même muhaddith, puisque son premier livre, comme on a dit hier, Muwatta, c'est le premier livre qui va rassembler les hadiths. Mais il n'y a pas que l'imam Malik. Il y a d'autres que ici, bon, moi je n'ai pas cité, ici j'ai cité les six. Dans mon livre, je développe un peu plus, puisqu'il va y avoir Sofiane Thawri, hein, Sofiane ibn Uyayna, c'est des grands muhaddithines. Mais disons, Tabari, c'est aussi un muhaddith. Mais disons, ceux qui vont asseoir la véritable science de l'authentification du hadith sont ceux-là. Bukhari, son maître, etc. La plupart des muhaddithis ne sont pas des arabes. La plupart. Bukhari n'est pas arabe, Muslim n'est pas arabe, Tirmidhi n'est pas arabe, Abu Daoud n'est pas arabe, Ibn Majah, je ne sais pas. Nasa'i, il est arabe. Donc lorsque vous lisez en arabe, ce n'est pas Nisa'i, c'est Nasa'i. Hein? D'accord ? La plupart ne sont pas arabes. Jusqu'à aujourd'hui, la science du hadith n'est pas détenue par les arabes, elle est détenue par les autres, par des indo-pakistanais. Jusqu'à aujourd'hui. Donc, les muhaddithis, ils vont venir après, et c'est l'imam Ahmed ibn Hanbal qui va assurer la transition, parce qu'Ahmed ibn Hanbal, il est d'abord muhaddith, avant d'être faqih. En fait, ici, les deux fonctions vont être liées ensemble. Fiqh et hadith. Mais à cause du volume du hadith immense qu'il fallait authentifier, il fallait aussi des spécialistes. Mais après cette période-là, il va y avoir, pas un divorce, mais un éloignement entre fiqh et hadith. C'est l'une des causes du déclin. Parce qu'on avait vu hier, on a dit, au lieu de revenir au Coran et à la Sunna, les gens vont revenir aux paroles et aux avis des grands maîtres. Jusqu'à un certain moment, sans problème. Mais ensuite, après, ça va, au lieu de revenir, par exemple, parce que les grands maîtres pouvaient ne pas connaître tous les hadiths. L'imam Malik ne connaissait pas tous les hadiths, Abu Hanifa aussi. Donc il aurait fallu peut-être continuer ce travail des maîtres. Les premiers disciples ont continué, mais après, ça s'est perdu. Il y a eu un certain éloignement entre le fiqh et le hadith. Le fiqh va s'appauvrir du hadith qui, alors que c'est ça, le hadith, c'est la sève du fiqh qui le nourrit. Hein? Et les muhaddithin vont s'éloigner aussi du fiqh. Ça va produire un certain nombre de divergences qui, en principe, n'auraient pas dû eu lieu, mais ils ont eu lieu. Voilà. Globalement, ça, c'est la perspective historique. Maintenant, on va voir avec un peu plus de détails tout cela. Donc Abu Hanifa, radiallahu anhu, comme je vous ai dit, son père va s'établir à Koufa,
avec l'imam Ali et son père va avoir une très très grande proximité avec l'imam Ali radiallahu anhu. Tous, en particulier les trois premiers, Abu Hanifa, Malik, Shafi'i. Ils vont avoir une très grande proximité et au début de sa vie, l'imam Abu Hanifa, c'est un commerçant, comme son père. C'est un commerçant très intègre, hein? C'est un commerçant dans le tissu, en particulier la soie. Mais il était très intelligent, jusqu'à ce qu'un cheikh le voit à la mosquée et lui dit, toi, jeune, lorsqu'il a parlé avec lui plusieurs fois, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il lui dit, moi, je vais surtout au marché m'occuper de ma boutique. Il lui dit, laisse tomber ta boutique et donne quelques heures à la science. Et il va venir à la science, pas dès son jeune âge, mais lorsqu'il a été déjà vraiment, il a déjà avancé dans l'âge. Et c'est ça qui va donner Abu Hanifa, radiallahu anhu. Donc à partir de ce moment-là, il va prendre un associé, il va aller la moitié de son temps à sa boutique, la moitié de son temps il est à la mosquée. En bas, il va laisser son associé s'occuper de tout. C'était un homme riche. Un homme plus que riche, il était intègre. Je vous raconte une ou deux histoires, hein, juste pour que vous voyez un peu la distance avec nous, si j'ose comparer. Une dame est venue à Abu Hanifa, radiallahu anhu, lui vendre un tissu. Il l'examine et lui dit, combien tu veux me le vendre? Elle lui dit, 100 dirhams. Il lui dit, non, il vaut plus que ça. Elle lui dit, alors donne-moi 200. Il lui dit, il vaut plus que ça. Madame, il vaut encore plus cher, 300. Elle lui dit, tu es en train de te moquer de moi. Il lui dit, pas du tout. Et il appelle le grand contrôleur du marché, le spécialiste. Il lui dit, à combien tu m'achètes ce tissu-là? Il lui dit, je te l'achète à 400. Et il donne 400 dirhams à la femme. Imaginez-vous, nous, oui, tu veux me le vendre à 50, tu es sûr, je le prends. Dans le droit suisse, je ne connais pas le droit français, on appelle ça, il y a une notion, on appelle ça la lésion. Hein? Robben. En France, en droit suisse, on appelle ça la lésion. Quelqu'un est lésé, soit parce qu'il a besoin et qu'il va vendre quelque chose en dessous de son prix. Et le contrat de ce fait-là, il est annulé. Ça, c'est 14 siècles avant. Hein, 14 siècles avant, vous voyez comment on est très loin, éthiquement, etc. C'est un exemple, Barak, de l'imam Abu Hanifa, radiallahu anhu. Beaucoup d'autres exemples vont suivre. De ce fait-là, de cet argent-là, il va en donner, il va entretenir ses plus proches disciples, une dizaine ou une quinzaine de disciples qui étaient pauvres. C'est lui qui va leur donner de quoi vivre. Et lorsque les Abbassides veulent le nommer le grand mufti, il refuse. Il refuse et ils lui disent, on va te donner de l'argent, on te paye. Il leur a dit, moi j'ai pas besoin. Moi j'ai hérité de mon père et je travaille, j'ai pas besoin de votre argent. Et ils essayent de le forcer. Pourquoi? Parce qu'il se permettait de critiquer les décisions du grand juge abbasside. Lorsque le grand juge disait des bêtises, hein, il se permettait de le corriger. Et ça, le pouvoir n'admet jamais une chose pareille, ni chez les musulmans, ni chez les autres. On s'entend bien parce que le pouvoir, il corrompt. Voilà. Abu Hanifa, globalement, ça c'est quelques détails. Pour lui, voilà les sources à partir desquelles il va tirer les règles, extraire les règles, on appelle ça aussi inférer. Bien sûr, pour lui, c'est d'abord le Coran, ensuite le hadith connu et authentique. Autrement, il va voir aussi l'avis des compagnons. Si les compagnons s'étaient mis d'accord entre eux, c'est donc l'ijma des compagnons. S'ils ne s'étaient pas mis d'accord, ils choisissaient.
Hein, il choisissait entre les avis des compagnons. Ensuite, après les compagnons, lui ne se sentait aucunement obligé de prendre l'avis des successeurs. D'accord ? Pour lui, il dit non, les successeurs, c'est comme nous. Je ne suis pas obligé. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas prendre, mais d'un point de vue méthodologique, il dit, je ne suis pas dans l'obligation de les suivre. Il va aussi prendre comme source l'ijma, donc le consensus. Ici, c'est le consensus des savants. Ici, c'est le consensus des compagnons. Et là, c'est le consensus des savants. Les consensus, on l'appelle en langue arabe l'ijma. Alors, l'ijma, est-ce qu'on peut le traduire par l'unanimité? C'est difficile. Parce que l'unanimité n'existe pas. L'ijma, donc consensus, il y a deux sortes de consensus. Il y a le consensus, c'est-à-dire il y a une question qui se pose et tout le monde se met d'accord sur la même réponse. C'est un consensus explicite, qui est explicité. Mais il y a un deuxième type de consensus, peut-être moins fort que le premier, c'est un consensus implicite. C'est-à-dire que face à une question, un savant donne une réponse, et pendant plusieurs années, il n'y a aucune autre réponse, hormis celle-là. Ça aussi, on peut appeler ça un ijma, mais il est de moins forte valeur que le premier, puisque le premier, il est explicite. Ijma'un lafzi, ou thani, ijma'un sukuti. Sinon, il utilisait l'analogie. Avec tout ça, en fait, il avait deux autres sources, l'istihsan. L'istihsan, il va avoir plusieurs sens. L'istihsan, c'est ce qu'on appelle le principe du convenable. C'est-à-dire que parfois, lorsqu'on applique le qiyas, ça donne une solution qui n'est pas bonne. Et donc, à ce moment-là, il va préférer une autre solution que celle qui va être donnée par le qiyas. Hier, on avait dit l'exemple, on va le reprendre aujourd'hui. S'il y a une petite retenue d'eau, pas une grande, pas un fleuve, pas une rivière, s'il y a une petite retenue d'eau et que, par exemple, un félin carnassier dont la viande est interdite de consommation, s'il vient boire de cette eau-là n'est plus valable pour les ablutions. Mutahir. Parce que l'eau, elle peut être pure, tahira, l'eau ou un liquide, il peut être tahir, donc pur qu'on peut manger, qu'on peut boire. Mutahir, non, mutahir, il faut que l'on puisse faire les ablutions avec. C'est par exemple le gazouz, hein, que vous, la limonade que vous buvez, que nous buvons, iced tea que nous buvons. Tahir, on peut le boire, mais mutahir, ghayr mutahir, on ne peut pas faire les ablutions avec. Donc il y a cette petite différence qui est importante. Donc, il y a des animaux qui sont interdits de consommation. Le lion, le tigre, donc les grands félins carnassiers, pas tous. Ceux-là, s'ils boivent dans une petite retenue d'eau, cette eau, on ne peut plus faire les ablutions avec. Maintenant, si la retenue d'eau est grande, le problème ne se pose pas. Si l'eau est une eau courante, le problème ne se pose pas. Mais le prophète a aussi interdit de manger la chair, on a dit, des oiseaux carnassiers, charognards, donc les vautours, les aigles, d'accord? Donc ceux-là aussi, en principe, si on applique le qiyas, s'ils boivent dans une eau, dans une petite retenue d'eau, là aussi l'eau ne reste plus tahira. Ça, c'est le qiyas. Mais pour Abu Hanifa et l'imam Malik, ils disent que le qiyas, dans ce cas-là, il est mauvais. Il ne s'applique pas exactement comme il faut.
Et ils disent, on va faire plutôt l'istihsan. L'istihsan, la différence c'est que les oiseaux ne boivent pas avec leur langue, ils boivent avec leur bec. Ça n'est pas comme les autres félins. Du coup, pour eux, le problème ne se pose plus pour les oiseaux carnassiers, je répète, pour une petite retenue d'eau, pour une petite mare d'eau. Donc ça, c'est un exemple de l'istihsan. C'est que le qiyas parfois donne des solutions qui ne sont pas bonnes. Par conséquent, eh bien, on applique l'istihsan. Ce qu'il faut comprendre, l'istihsan, c'est un raisonnement, l'aql. Sans aql, on n'arrive à rien. On ne peut même pas comprendre le Coran, ni le hadith du prophète, alayhi salatu salam. Parce que le slogan circule beaucoup entre les frères et les sœurs. Nous, on est ashab naql, moi, ashab l'aql. Mais nous, naql, c'est-à-dire la révélation, elle ne peut être comprise que par l'aql. Et s'il n'y avait pas d'aql, il n'y aurait pas tout ça, il n'y aurait rien. L'aql, les compagnons l'ont appliqué. Et beaucoup. C'est juste pour montrer un peu ce grand problème. La septième source qui va être utilisée par Abu Hanifa, c'est les coutumes. Alors il n'y a pas que Abu Hanifa qui va l'utiliser, tout le monde l'utilise, y compris le droit français, y compris le droit suisse. La tradition, les us et coutumes, lorsqu'il n'y a pas de texte qui légifère sur une question ou qui légifère de manière insuffisante, on revient aux traditions. Mais à la condition que les traditions ne soient pas en opposition avec les textes. Toute tradition qui est en opposition, elle est rejetée. D'accord ? Elle est inacceptable, encore moins, on ne va pas l'utiliser complètement du tout. Pour Abu Hanifa, il y a un problème que certains ont voulu débattre pour Abu Hanifa. Certains disent que Abu Hanifa avait très peu accès au hadith, ce qui est complètement faux. Mais Abu Hanifa, pour accepter un hadith, il lui fallait des conditions strictes. Il ne pouvait pas accepter n'importe quelle parole attribuée au prophète alayhi salatu wassalam. Du coup, il faut comprendre c'est quoi le hadith et l'acceptation du hadith. Le hadith, il peut être transmis par un grand nombre de chaînes. Le grand nombre de chaînes comme critère d'authentification du hadith, il n'est valable que pour les trois premières générations. Les compagnons, tabi'in, successeurs, et les successeurs des successeurs. Parce qu'après cette troisième génération, le nombre de chaînes et de rapporteurs est toujours grand. Et donc, le critère du nombre n'est plus pertinent. Il n'a plus de pertinence du tout. D'accord ? Donc lorsque nous parlons du nombre, c'est au niveau de ces trois générations. Le hadith peut être transmis avec beaucoup de chaînes. 10, 12, 15, plus. Dans ce cas-là, le hadith est appelé mutawatir. Il y a plusieurs traductions pour mutawatir. Avéré, notoire, etc. Le plus important, moi, je préfère garder le mot arabe, mutawatir, où on peut utiliser le terme de polychaîne, plusieurs chaînes. Ce hadith-là, il est authentique. Pourquoi ? Parce que il est impossible que tout ce monde-là se mette d'accord sur un hadith faux. Et ça, c'est la méthode de recoupement de l'histoire que l'on fait dans les sciences historiques que nous faisons actuellement. Il y a un événement qui s'est passé. Vous m'avez raconté l'événement. L'autre m'a raconté l'événement. 10 m'ont raconté le même événement dans les mêmes détails. Par conséquent, et vous ne vous connaissez pas, vous les 10. Par conséquent, l'événement qui est arrivé, il est authentique. C'est ça ce qu'on appelle le recoupement de l'histoire. Hein?
Ce n'est pas une personne qui me raconte par laquelle je vais authentifier le fait rapporté. Donc, la première catégorie, c'est mutawatir. Le Coran a été transmis comme ça. D'accord ? Dès le début, il a été transmis jusqu'à aujourd'hui. Une deuxième catégorie du hadith, le nombre de chaînes et de rapporteurs est beaucoup plus faible. 7, 8, 5, jusqu'à 10 environ. Là aussi, ce hadith va être considéré comme authentique, sahih. On l'appelle mashhur. Parce que cette multiplicité donne la crédibilité, si ce n'est à 100%, elle serait à 99%. La troisième catégorie du hadith, alors entre ces deux, il y a encore d'autres catégories, mais nous, on va s'arrêter juste à ces trois catégories. Troisième catégorie, c'est qu'il y a un seul rapporteur dans l'une des étapes, ici ou ici ou ici. Ici, il y a un seul dans les trois générations. Ici, il y en a deux, mais il y en a un ici, il y en a un ici, etc. Donc, s'il y a un ou deux ou trois dans l'une des chaînes, le hadith est appelé hadith ahad. Le hadith ahad doit être authentifié pour être accepté. Maintenant, comment on va l'authentifier? C'est une autre histoire, c'est un autre cours qu'il faut faire, mais globalement, le hadith va être authentifié, le hadith ahad va être authentifié s'il y a cinq critères, trois sur la chaîne et deux sur le contenu. Il ne faut pas que la chaîne soit discontinue. Il ne faut pas que la chaîne soit discontinue. Si elle est discontinue, le hadith n'est plus authentique. Qu'est-ce que ça veut dire discontinue? Eh bien, c'est que celui-là dise qu'il a entendu de celui-là. Ou celui-là dit qu'il a entendu du prophète. Donc, il est discontinu. Ou bien, tout simplement discontinu, celui-là dit, par exemple, quelqu'un m'a dit que... C'est qui ce quelqu'un? Donc, c'est ça le travail que vont faire après coup Bukhari, Muslim. Ils vont répertorier tous les gens, on va appeler les hommes et les femmes, qui rapportent le hadith. Ils vont les répertorier tous avec leurs alias, leurs surnoms, avec leur moralité, où est-ce qu'ils habitaient, leur ascendance, leur descendance, afin de savoir est-ce que le bonhomme est digne de confiance ou pas. Et ça ne suffit pas, digne de confiance. Est-ce qu'il est pieux ou pas? Et ça ne suffit pas, la piété. On va le voir avec l'imam Malik. La piété ne suffit pas, parce que les savants disent non seulement bonne moralité, piété, mais ils disent aussi dabt, précis dans ce qu'il rapporte. Est-ce qu'il est précis ou est-ce que c'est environ? Si c'est environ, l'authenticité, elle est battue en brèche. Et ensuite, les savants vont ensuite établir même la vie du bonhomme. Est-ce que jusqu'à la fin de sa vie, il est resté dabit, c'est-à-dire précis, ou bien à la fin de sa vie, il a commencé un peu de perdre de sa mémoire. Donc si à la fin de sa vie, il a commencé à perdre de sa mémoire, les disciples qu'il va avoir à la fin de sa mémoire, ce qu'il rapporte durant cette période de vie difficile pour lui, eh bien, ça n'est pas accepté. Donc vous voyez jusqu'où va aller. Donc si on revient à l'imam Abu Hanifa, le hadith comme ça et comme ça, aucun problème ne se pose. Le hadith ahad, pour lui, ça pose problème. Lui n'était pas un spécialiste du hadith. Pour lui, il faut des critères très puissants pour qu'il accepte le hadith ahad. C'est ce qu'on lui a reproché, peut-être. Bien sûr, ça va être ensuite être repris par ses disciples. Ça va être repris par ses disciples. Mais pratiquement, c'est ça. La deuxième chose, le deuxième élément qu'il faut juste considérer,
c'est que le nombre de hadiths mutawatir n'est pas très élevé. Quelques dizaines. De mushhor, quelques dizaines. Le plus grand nombre de hadiths, c'est ça. Et c'est ça qui va donner naissance à toute cette science du hadith, qui est une science très difficile. C'est une science sèche. Ne vont y aller que les gens qui ont un très fort pouvoir de concentration, de recherche, etc. C'est une science très très sèche. Mais, alhamdoulilah, mais ensuite c'est une science téméraire. Pourquoi téméraire? Parce que moi je te dis, le prophète a dit, et toi tu me dis, je vais voir est-ce que c'est vrai, il a dit ça ou pas. C'est-à-dire, c'est ce dont on a parlé hier, il risque d'y avoir la confusion entre moi et ce que je rapporte. Hein? Si tu ne vas pas me croire, c'est que est-ce que tu portes atteinte à ma réputation? Non. L'imam Malik va préciser, comme je vous ai dit hier, l'imam Malik va dire, il y a ici dans cette mosquée, au niveau de ces piliers, mosquée prophétique, des gens qui, si on leur donnait la garde de Beit el-Mal, ils en auraient été dignes, mais on n'acceptait pas de le hadith. Et dans un autre cas aussi, il dit, on leur demandait de faire la prière de demande de pluie, mais on n'acceptait pas de le hadith parce qu'ils n'étaient pas des spécialistes du hadith. Donc la piété est bonne, elle est insuffisante pour le hadith, dans la transmission du hadith. Il faut encore d'autres critères qui sont très exigeants. Du coup ici, le hadith ahad, il peut être authentique, sahih, il peut être acceptable, hasan, et il peut être da'if. Il peut être aussi apocryphe, mais on ne l'appelle pas hadith apocryphe. C'est-à-dire c'est une parole attribuée de faux au prophète Mohammed alayhi salatu salam. C'est pour cela que le problème qui se pose, c'est quoi? Le problème qui se pose, c'est que, attention, dans ce que nous lisons, dans ce que nous entendons, et encore plus dans ce que nous transmettons, si on ne connaît pas la valeur du hadith, alors attention, encore plus au niveau de l'application, c'est-à-dire si on veut tirer une règle, parce que le hadith daif, il est faible. Est-ce qu'on peut en tirer une conclusion? Certains vont l'utiliser pour certains cas. Donc, faire très attention. D'accord? Maintenant, globalement, la majeure partie des savants disent on doit se limiter plutôt à l'authentique et au sahih et au hasan. Le faible, on ne va pas l'utiliser ni dans la foi, l'aqida, ni dans les règles, fiqh. Parce que l'aqida, il faut être sûr à 100% de ce que nous faisons, de ce que nous disons, en quoi nous croyons. Et donc la source de cela, elle doit être sûre. Donc le hadith da'if ne peut être utilisé ni dans les questions de la foi, aqida, ni dans les questions du fiqh, du droit musulman. Donc c'est ça qui fait que Abu Hanifa radiallahu anhu, pour lui c'est très important. Le hadith mutawatir, mashhur, il l'acceptait. Le hadith ahad, ben, il avait une position. D'abord, pour lui, il faut vraiment que le hadith ahad soit vraiment bien authentifié. Il faut qu'il soit bien authentifié. Alors, ça va découler, en s'entend, une certaine campagne contre lui, radiallahu anhu. Hein, comme quoi, il n'acceptait pas le hadith. Et il faisait le qiyas plutôt, il préférait le qiyas au hadith. Et là, l'histoire nous rapporte un événement qui s'est produit justement lorsqu'il va être exilé par les Omeyyades et qu'il va aller à Médine. À Médine, il va rencontrer Ja'far al-Sadiq dont on parlait tout à l'heure. Ja'far al-Sadiq qui est, on va aussi l'étudier, Inch'Allah, rapidement. Ja'far al-Sadiq, c'est qui Ja'far al-Sadiq? Ali, avec Fatima alayhi salam, ils ont Hassan et Hussein. Hussein, il va avoir des enfants dont il ne restera que Ali Zin al-Abidin. Les autres vont être massacrés par les Omeyyades. Ali Zin al-Abidin va avoir deux enfants, Mohamed al-Baqir et Zayd. Mohamed al-Baqir va avoir un enfant, Ja'far al-Sadiq.
Voilà la lignée de Ja'far al-Sadiq. L'imam Ibn Taymiyyah dit de Ja'far al-Sadiq qu'il était le plus savant de la famille Alid. Il revient à beaucoup de des règles qu'avait émises, des avis qu'avait émis Ja'far al-Sadiq. Ja'far al-Sadiq était considéré pratiquement comme presque le contrôleur de Médine, des savants de Médine. Et lorsque Abu Hanifa va venir à Médine, Ja'far al-Sadiq, en pleine mosquée, lui dit Abu Na'man, il l'appelait Abu Na'man, on dit de toi que tu préférais le qiyas, c'est-à-dire ton raisonnement, à ce que disait mon grand-père. Il lui dit au contraire, assieds-toi comme il sied au fils du prophète Ali salatu salam de s'asseoir. Il lui dit, je vais te poser 3 questions et tu vas me répondre. Première question, si j'essaye de ne pas de me remémorer, il lui dit, première question, lorsque l'on est en voyage et qu'on utilise le khouf, les chaussons. Donc, les chaussons, lorsqu'on est en voyage, il suffit d'essuyer. Il lui dit, le qiyas ferait que si on doit essuyer le chausson, on l'essuie plutôt par le bas, la plante. Il lui dit, c'est vrai. Il lui dit, mais moi, je n'ai jamais dit ça. J'ai dit que le qiyas, qu'il faut plutôt l'essuyer par en haut, parce que c'est ça ce que nous a transmis ton grand-père Mohammed Ali, salatu salam. Il va lui donner 3 ou 4 de ses avis qu'il a émis et qui sont en contradiction directe avec le qiyas. Et c'est à ce moment-là que Ja'far al-Sadiq va se lever et va l'embrasser entre ses yeux. Donc ça, c'est juste pour montrer un peu l'importance du hadith chez Abu Hanifa, radiyallahu anhu. Donc, il y a aussi beaucoup de paroles de sa part dans lesquelles il va insister sur ça. Donc là aussi, on donne des exemples. Parce que dans la sunna, comme on a vu hier, dans le hadith, il y a la parole prophétique et le geste prophétique. Au niveau du fiqh, qu'est-ce qu'on va prioriser ? Fi'l al-Nabi ou qawl al-Nabi alayhi salatu wassalam. Ici, par exemple, Abu Hanifa considère que la quiétude tuma'nina est une obligation, car le hadith qui s'est rapporté à Had, alors même que le verset est général et n'en fait pas mention. Ça, c'est une question on appelle ça tchsis. C'est la particularisation d'une règle générale. Tchsis, c'est la particularisation d'une règle générale. La règle générale, elle s'applique à tout, mais parfois, il y a une partie qui se détache du tout, qui n'est plus concernée par la règle générale, elle a une règle particulière. Donc ici, pour lui, donc, le verset coranique précise « rukou », précise « sujoud ». Donc si on s'en tient au verset coranique, il suffit juste de se prosterner et de se relever, c'est largement suffisant. Mais « fi'l al-Nabi » alayhi salatu salam, « fi'l al-Nabi » wa « qawl al-Nabi » dans le hadith Hadith Moussi Salat, il précise le prophète que lorsque vous faites le rukou, vous devez marquer la quiétude. C'est-à-dire il ne s'agit pas de faire ça et de se relever. Et donc lui, comme l'imam Malik, vont considérer le fait de rester un moment comme ça, ne serait-ce que quelques secondes, c'est-à-dire de sentir le mouvement, c'est une obligation dans la prière. Et la même chose, lors de la prosternation. Il ne faut pas juste poser sa tête et se relever, parce que si on se restreint au seul verset, sujoud, ça y est, je fais mon sujoud. Non, le hadith, pourtant c'est un hadith ahad, mais le hadith ahad précise que lorsque tu fais le sujoud, hatta tatma'in, jusqu'à trouver aussi la quiétude, pour ensuite seulement se relever. Et donc, il considère la quiétude dans le rukou et dans le sujoud comme obligatoire aussi. Il n'est pas le seul, obligatoire dans la prière. Mais il se trouve aussi que Abu Hanifa,
malgré le fait qu'il avait des réserves très grandes sur le hadith Ahad, il acceptait le hadith Mursal. On va voir, c'est quoi le hadith Mursal, parce que c'est lui, l'imam Malik, qui va l'accepter. C'est quoi le hadith Mursal? Ça, c'est le prophète alayhi salatu salam, le compagnon, le successeur et le successeur du successeur. Ça, c'est une chaîne continue. Celui-là rapporte que celui-là lui a dit, que celui-là lui a dit, que le compagnon lui a dit, que le prophète lui a dit. Le hadith morsel, c'est quoi? C'est lorsqu'un un chaînon saute. C'est-à-dire que le successeur dit, le prophète a dit. Mais nous, on sait bien que le successeur n'a pas rencontré le prophète. Il doit l'avoir tenu du compagnon. Donc le morsel, c'est lorsqu'une étape va sauter. Une étape va sauter n'importe où. Mais en particulier, pour Abu Hanifa et Malik, c'est le compagnon qui va sauter. Abu Hanifa et Malik vont accepter le morsel. Mais à la condition que le successeur soit bien connu. Ce n'est pas n'importe quel successeur. Alors bien sûr, c'est l'un des points de divergence avec les autres savants qui disent non. S'il y a une rupture de la chaîne de transmission, le hadith est considéré comme daïf. Mais Abu Hanifa et Malik vont appliquer ça. Pourquoi ? Vont accepter ça. Pourquoi ? Parce qu'eux, ils étaient là. Ils ne sont pas là. Ils étaient là, proches. Bien sûr, Shafi'i va être là. Ahmed ibn Hanbal va être là et les autres vont être plus loin. Mais eux, ils appartenaient à cette génération-là. C'est pour ça qu'ils vont accepter le hadith morsal. La même chose aussi pour l'imam Abu Hanifa. Alors, quelques traits saillants du fiqh de l'imam Abu Hanifa. Bien sûr, Abu Hanifa, on l'appelle l'imam al-Akbar. Hein? Chez les frères malaisiens, indonésiens, irakiens, turcs, l'école hanafite, c'est la plus répandue, c'est l'imam al-Akbar. Pourquoi l'imam al-Akbar? Parce que l'imam Shafi'i va dire de l'imam Abu Hanifa, il dit « Kullu nasi iyalun inda Abi Hanifa fil fiqh » Tout le monde est redevable en ce qui concerne le fiqh envers Abu Hanifa. C'est le grand maître. Abu Hanifa, c'est le grand maître du fiqh, effectivement. Abu Hanifa, c'est le grand maître du fiqh et il avait une méthode particulière qui ne va pas être partagée par les autres. Lorsqu'il rentrait dans la mosquée avec ses élèves, avec ses disciples, il était un parmi eux. Il posait la question ou une autre personne posait la question et tout le monde débattait. Et même les voix s'élevaient parfois. Parfois, il intervenait pour diriger, pour orienter. Il laissait ses disciples parler, s'exprimer. Ce n'est pas comme l'imam Malik, lorsqu'il rentre, on entend la mouche voler. Ahmed ibn Hanbal, la même chose. On entendait la mouche voler. Abu Hanifa, très libéral de ce point de vue-là. Lorsqu'il voit que la discussion commence à aboutir, à ce moment-là, il va donner son avis. Et lorsqu'il donne son avis, ses disciples vont, à ce moment-là, ne rien dire. Cette méthode, elle va être aussi très utilisée par ses disciples, notamment. C'est une méthode participative très, 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 très fertile. Qu'est-ce que je voulais dire aussi d'Abu Hanifa? Donc, sa méthode d'enseignement. Et puis, il était commerçant. Et dans le commerce, comme aujourd'hui, hein, il y a chaque jour, chaque mois, chaque année, de nouveaux moyens de commerce qui naissent et dont il faut trouver la solution. Le leasing détourné, le leasing tout. Par conséquent, l'imam Abu Hanifa et son école vont développer beaucoup, beaucoup le qiyas.
jusqu'à ce qu'il développe ce que l'on peut appeler le fiqh hypothétique, le fiqh l'iftiradé. C'est-à-dire, supposons que, alors trouvons la solution à cette question-là. Par contre, l'imam Malik disait non. Est-ce que la question est déjà arrivée ou pas? S'il lui disait non, il dit alors moi, je n'ai pas besoin de répondre à une question qui ne se pose pas. Mais Abu Hanifa, au contraire, lui et ses disciples, ils vont parfois imaginer des questions auxquelles ils vont répondre. C'est aussi une très bonne méthode, c'est-à-dire c'est une méthode de prévision, d'anticipation, même si après coup il faut corriger peut-être certains éléments. Mais ça, c'est la différence entre les mentalités des différents gens. Parmi ces avis les plus saillants qui apparaissent le plus, l'imam Abu Hanifa permet à la femme de se marier sans représentant. Bidouni wali. Pourquoi? Pourtant, il y a un hadith qui va plutôt dans l'autre sens. Hein? C'est que la femme doit se marier avec un wali. Le mot wali, il faut bien le comprendre. Parfois, souvent, le plus souvent, musulmans et puis les non-musulmans systématiquement, le traduisent par tuteur. Et donc la femme est encore sous tutelle, même si elle a plus que 18 ans. Hein? Non, le mot wali ne veut pas dire tuteur. Le mot wali est un mot très polysémique. Il veut dire tuteur, oui, mais il veut dire aussi gouvernant. Il veut dire aussi gouverner. Il veut dire aussi protecteur. Il veut dire aussi protéger. C'est parmi les mots non seulement polysémiques, c'est parmi les mots en langue arabe, on appelle ça l'addad. C'est les mots ambivalents qui peuvent prendre un sens et leur contraire, et c'est le contexte qui va distinguer le sens. Comme le haram. Hein, on appelle ça le masjid al-haram. Est-ce que c'est la mosquée interdite? Non, parce que le mot haram veut dire interdit, veut dire aussi sacré. Deux sens opposés, c'est le contexte qui va distinguer entre les deux concepts. Comme abada. Abadan, c'est quoi abada en français? Comment on va traduire? Jamais ou toujours? Ben, les deux. Ça veut dire les deux. C'est le contexte qui va distinguer entre les deux. Donc pour l'imam Abu Hanifa, dans son esprit, Dieu a permis à la femme de gérer de manière indépendante ses biens, donc il lui permet aussi de gérer sa destinée. Certains de ses disciples ne vont pas être d'accord avec lui sur ça, mais pour lui, la femme peut sans aucun problème se marier sans représentant. Donc moi, le wali, je le traduis par représentant légal. La même chose ici, au nom de cette même liberté, Abu Hanifa, il y a cette notion de l'hajar, la personne qui n'a pas ces capacités de discernement, même dans le droit français ou dans le droit suisse, on va lui assigner un curateur ou un tuteur. D'accord? Elle doit être, alors, le curateur-tuteur, on va lui donner une marge de manœuvre aussi grande que l'état de déficience de la personne. Mais Abu Hanifa, il dit non. Abu Hanifa dit non. Le déficient mental, on n'a pas à restreindre sa liberté dans la décision sur ses biens, sur son patrimoine. L'hijj. Il va aussi se caractériser par... il va aussi être caractérisé, Abu Hanifa, c'est le premier, qui va dire que Zakat al-Fitr, on peut la donner en argent, si cela est nécessaire. Alors que jusqu'à aujourd'hui, les Hanbalites disent non. Il faut la donner en orge, en blé, en riz, etc. Ça, c'est leur interprétation. Mais Abu Hanifa dit non. Il est possible de la donner sous forme d'argent en ce temps-là. Et vous vous imaginez aujourd'hui, ici, dans votre mosquée, ici,
Zakat al-Fitr, hein, c'est Azdin. Si tous les gens vont vous apporter 1 kilo, 5 kilos de riz, est-ce que vous pouvez distribuer cela? Vous ne pourrez jamais distribuer cela. D'accord? Parce qu'Abu Hanifa va à la lettre du texte, va à l'esprit du texte. Parce que le prophète dit Ournouhum biha fi had al-yawm. C'est quoi Ournouhum? Attention, le ghani, ça n'est pas le riche. C'est celui qui n'a pas besoin. Ou le faqir, c'est celui qui a besoin. Donc c'est pour ça que le verset coranique Wallahu huwa al-ghani wa antum al-fuqara, on ne va pas le traduire par c'est Dieu le riche et vous, vous êtes les pauvres. Non. La véritable traduction, c'est Dieu n'a pas besoin. Donc, lorsque le prophète dit « Ournouhum biha », c'est-à-dire que donnez-leur Zakat al-Fitr afin qu'ils ne demandent pas à d'autres. Donc, pour l'imam Abu Hanifa, oui, il faut la donner. Pas il faut la donner, vous pouvez la donner directement en espèces. Lui aussi, il va considérer le fait de zakat. La zakat doit aussi s'appliquer sur les bijoux personnels de la femme. En cela, il va être d'accord après coup, Ibn Taymiyyah va être d'accord avec lui, mais l'imam Malik et les autres ne seront pas d'accord avec lui. Mais pour lui, c'est les droits des pauvres qui transcendent tout. Dieu, lorsqu'il a parlé de la zakat, c'est pour les pauvres et les nécessiteux. Et donc, les droits des pauvres et des nécessiteux doivent passer avant toute autre considération. Puis, il a aussi d'autres avis spécifiques. L'imam Malik, alors que tous les autres, vont distinguer 5 catégories pour les actes. On en a parlé un peu hier, on n'a pas beaucoup développé. Toute chose, tout élément, toute parole, tout geste va appartenir à l'une de ces 5 catégories. Soit il est moubah, licite, soit il est recommandé, soit il est obligatoire, soit il est blâmé pour ce faire, soit l'acte en lui-même est interdit. Donc il y a 5 catégories. Ça, c'est une demande de faire intense, moins intense. Ça, c'est une demande de ne pas faire intense, moins intense. Alors bien sûr, ce ne sont pas des positions discrètes, comme on dit en mathématiques. Il y a tout un spectre entre les deux, entre chaque deux étapes. Abu Hanifa, il va pour lui, il va introduire 2 autres. Pour lui, c'est 7 catégories, pas 5. Il va distinguer entre l'wajib et l'fard, et il va distinguer entre makroh tanzih et makroh tahrim. Pourquoi il va distinguer? Parce que vous avez de quoi écrire dessus, là, Azdel, s'il te plaît. Il faut juste ouvrir un peu une fenêtre, parce que sinon il faut... Ah, il y a là. Alors, pourquoi il introduit cette différence, ces différences? On risque de rester avec Abu Hanifa, de ne pas sortir. Mais, ma'lish, il y a beaucoup de choses à apprendre. Parce que, comme je l'ai dit là, la question du texte, j'ai traduit moins clair, hein? Dans, en langue arabe, il y a ce qu'on appelle le concept de qat'i et dhanni. Qat'i, c'est la certitude. Dhanni, c'est la forte probabilité. Il faut juste savoir que dhanni, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qu'on rejette. Mais c'est la forte probabilité. En France, en Suisse, un peu partout, le juge peut juger sur la base d'un seul témoignage. Un seul témoin, oui ou non. Or, un seul témoin, ce n'est pas 2 témoins. Lorsqu'il rapporte, il y a toujours une probabilité que la personne se soit trompée. Donc, il y a ce qu'on a appelé là, le qat'i, donc la certitude, et dhanni. Alors,
c'est quoi cette notion-là? Au niveau de la transmission, il y a deux critères. La transmission et la clarté du texte. La clarté du texte. C'est quoi la clarté du texte? Bon, la transmission, on a vu, on peut avoir le mashhur, hein, le mutawatir, le mashhur et ahad. C'est quoi la clarté du texte? Lorsque Dieu dit "Wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma." Est-ce que le texte, est-ce qu'il est clair? Hein? Il n'est pas clair. Hein? Le texte n'est pas clair. Pourquoi le texte n'est pas clair? Hein? Voilà. C'est quoi le sariq? Est-ce que le sariq, c'est celui qui vole un œuf ou celui qui vole un bœuf? Est-ce que c'est celui qui vole... Voilà, la voiture, elle est là. La fenêtre, elle est ouverte. Il trouve quelque chose, il la vole. Ou celui qui pénètre par effraction, qui casse la porte, qui casse le coffre-fort. Est-ce que c'est le même mot sariq qui est là? Hein? Ouais. Bon, voilà. Donc, laissons tomber le contexte, mais le mot lui-même, vous voyez que le mot va prêter à confusion. Donc, le texte, il peut être plus clair, très clair, comme il va être, comme il peut être, encore moins clair. D'accord? Lorsque Dieu dit « Fejtanibou qawlazour » Éloignez-vous de la fausse attestation. La clarté, elle est là. Donc, l'interdiction, elle est là. Par conséquent, on va conjuguer les deux éléments. Comment on va conjuguer les deux éléments? La transmission, elle peut être certaine. Comment on va faire? La transmission... et la clarté du texte. Elle peut être certaine et elle peut être fortement probable. C'est un peu des mathématiques. Donc, le texte, ça peut être le Coran ou le Hadith. La clarté, c'est le Coran ou le Hadith. Bien sûr, la transmission du Coran, elle est certaine, toujours certaine. D'accord? Le hadith, il peut être certain comme il peut être moins certain dans la transmission. Dans le Coran, on peut avoir plus ou moins, et dans le hadith aussi, plus ou moins. En fait, on va conjuguer les deux. Et à l'inverse des mathématiques, hein, à l'inverse des mathématiques, voilà. Plus par plus donne plus, moins par plus donne moins, plus par moins donne moins, et moins par moins donne moins aussi, ça ne donne pas plus. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que celui-là, donc ça c'est le résultat, celui-là, c'est ce qui est qat'i. Qu'est-ce que ça veut dire qat'i? Il est certain dans sa transmission et certain dans sa compréhension, dans la clarté. D'accord? Certain dans les deux. Là, donc, là, il n'y a aucune certitude. Ça, c'est le hadith ahad, dans lequel les mots vont, dans lequel le sens ne va pas être vraiment clair. D'accord? Donc, ça, c'est qat'i. Et tout ça, c'est dhanni. Je répète, dhanni, c'est probable, c'est fortement probable. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'écarter. Je vous ai donné l'exemple. Le juge juge à partir du témoignage d'une personne. Peut-être que cette personne s'est trompée. Et on va trouver beaucoup de décisions de justice faussées par le témoignage ou faussées par une partie du témoignage. Mais cela ne peut... Ce n'est pas parce qu'il y a eu des problèmes comme ça qu'on va dire au juge, il ne faut juger que dans la certitude absolue, ben, il n'y aurait pas de justice. Tout simplement, il n'y aurait pas de justice.
Donc, c'est pour ça que Abu Hanifa, pour lui, si le texte et le sens est clair, ça donne fard. Si le texte est clair et la transmission est claire, ça donne l'interdit complet. Mais s'il y a une probabilité d'erreur, pour lui, c'est plutôt l'wajib. Et c'est ce qu'on appelle, de l'autre côté, c'est karah tahrim. L'wajib. Parce que la différence entre fard et wajib, elle va aussi être utilisée par les autres savants. Mais pas dans la même, acception. Par exemple, concernant le hajj, le fard, qu'on appelle aussi pilier, rukn, il y a quatre piliers. Ihram, tawaf, ihram, arafat, tawaf et sa'i. Les autres choses vont être des wajib. La différence entre les deux au niveau du hajj, c'est que si on rate un pilier, le hajj il est invalidé. Si on rate une obligation, on peut la réparer. L'obligation est réparable, le fard n'est pas réparable. Dans la prière, Allahu Akbar, c'est un pilier. Le premier Allahu Akbar, c'est un pilier. Si on ne dit pas Allahu Akbar, si on ne dit pas Salamu alaykum, les prosternations, c'est la prière qui, bien sûr, et l'intention avant, parce que l'ihram, c'est l'équivalent de l'intention dans la prière. La prière n'est plus valide, il faut la refaire complètement. Maintenant, si on fait une erreur au niveau de l'obligation de la prière, on peut la réparer. D'accord ? Donc, ça, c'est le souci de précision d'Abu Hanifa. Il ne veut déclarer complètement obligatoire que ce dont il est parfaitement sûr. Et il ne va déclarer complètement interdit que ce dont il est absolument sûr. Ça, c'est un grand souci de la part de l'imam Abu Hanifa. Lorsqu'il dit karah tahrim, ça ne veut pas dire c'est simplement makruh. Ça veut dire aussi haram, mais avec une intensité moindre, parce que le texte n'est pas aussi clair pour lui. Une minute. On va juste... On va juste trouver... Ça, c'est en réponse au frère. Hein. Il veut nous que nous détaillons un peu plus, mais allez, c'est toujours en plus. Parce que ça, c'est l'imam Chatibi, hein, que vous allez trouver chez l'imam Chatibi, en particulier dans l'école malikite. Comme on a dit, les positions, les cinq positions ne sont pas des positions discrètes. C'est-à-dire qu'entre le wajib et le sunna, il n'y a rien. Contre le sunna et le halal, il n'y a rien. Au contraire, c'est des positions, il y a tout un spectre. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire une partie de la sunna, elle est faible, jusqu'à presque s'approcher du halal. Une partie de la sunna, ici c'est le mendoub, c'est la sunna, mais il y a des sunnens qui sont encore plus importantes,
plus importante jusqu'à ici, c'est ce qu'on appelle sunna mu'akkada. Elle est presque obligatoire sans être obligatoire. Elle va s'approcher de l'obligatoire jusqu'à devenir obligatoire. Mais l'obligatoire, il y a des obligations plus grandes que d'autres. La prière, plus grande que d'autres. D'accord ? La même chose pour l'interdiction. Il y a du halal qui s'approche plutôt du makruh. Il y a des éléments makruh. Il y a du makruh qui, encore, va s'approcher du haram jusqu'à obtenir le haram. Et le haram n'est pas le même. Shirk, sihr, le kufr, ça n'est pas comme le fait de voler. Ça n'est pas comme le fait de se suicider. Donc le haram n'est pas un seul haram, il y a tout un spectre. L'obligatoire n'est pas un seul niveau, il y a tout un spectre, etc. Maintenant, ce que ça rejoint l'autre histoire, on va pas rentrer dans la considération. Donc ça, c'est Abu Hanifa va avoir sept. Hein, va avoir, et toute l'école hanafite va considérer ça. Parfois, certains savants vont utiliser le makruh tahrim, d'autres écoles. Mais ça n'est pas systématique chez eux. Donc, fiqh hypothétique, les ruses légales, hiyl shar'iyya. Souvent, on a parlé de l'école hanafite, hiyl shar'iyya. Hiyl shar'iyya, ça n'est pas dans le sens de ruser avec Dieu, comme le font Benou Israël. Oui, par exemple, moi, c'est hier ou avant-hier, donc parce qu'il est interdit aux Juifs d'écrire le nom de Dieu ou même de le prononcer. Donc, comment ils écrivent Dieu? Ils écrivent comme ça. D'accord? Bon, pour nous, ce n'est pas ce type de hiyl. Hein? Pour les Benou Israël, oui, la femme aussi doit couvrir ses cheveux, mais pour eux, elle peut porter une perruque sans aucun problème. Donc, ça, bon, ça c'est leurs affaires, ce n'est pas notre affaire. Nous, on parle de l'hiyl shar'iyya ici, ce n'est pas dans le sens de ruser avec Dieu ou avec ses lois. C'est trouver des solutions à des questions inextricables, à des problèmes inextricables. On peut donner un exemple, mais bon, l'exemple n'est pas très heureux. On peut donner un exemple. Par exemple, il y a un bonhomme là qui est fâché avec sa femme. Et puis là, elle veut monter sur le toit de la maison et elle est au milieu de l'échelle. Et le mari il lui dit, si tu descends, tu es divorcé. Si tu montes, tu es divorcé. Comment elle va faire la bonne femme? Eh bien, l'imam dit, oui, ben, y a un homme qui vient prendre le bout d'une échelle, l'autre du bout d'une échelle, ils vont la descendre, et elle n'est plus divorcée. Voilà ce qu'on appelle hiyl shar'iyya chez Abu Hanifa. Ça n'est pas rusé avec Dieu, ni avec le prophète, alayhi salatu salam. Même si le mot risque d'induire cette compréhension, mais ça n'est pas exactement cela. Voilà. Alors, il va avoir... Le premier grand disciple, c'est Abu Yusuf, qui va écrire un livre après le Muwatta sur le Kharaj, mais c'est un point très particulier qui va être l'un des grands cadets du calife Abbaside. L'autre grand imam, Mohammed, l'autre grand disciple, Mohammed ibn Hassan Shaybani, il ne va pas vivre beaucoup avec Abu Hanifa, environ 2 ans, 3 ans. Mais il va prendre surtout de Abu Yusuf. Abu Yusuf et Mohammed ibn Hassan Shaybani vont aller à Médine après la mort d'Abu Hanifa. Ils vont aller à Médine pour apprendre auprès de l'imam Malik. Et c'est à Médine où Mohammed ibn Hassan Shaybani va rencontrer Shafi'i qui est aussi venu au cercle de l'imam Malik radiallahu anhu. Il y a aussi Zofr ibn Hudayl. Globalement, au niveau du nombre, l'école hanafite, c'est la plus répandue. Parce que d'abord, les Abbasides l'ont bien répandue. Et ensuite, nos frères turcs, mashallah,
il l'a encore répandu partout ailleurs. Donc là où il y a eu les Ottomans, il y a aussi l'école Hanafite, y compris en Algérie, y compris en Tunisie, très peu, mais y compris en Libye, mais par exemple dans les Balkans, chez les musulmans en Grèce, en Macédoine, tout cela sont Hanafites, nos frères malaisiens, indonésiens. Globalement, ils sont Hanafites, même s'il y a des Chafiites aussi parmi eux. C'est l'école la plus répandue. Je vous laisse prendre peut-être 10 minutes de repos et puis on y va. Mais à ce rythme-là, on risque de ne pas... Merci.